Le Grand Zapping. Le meilleur des émissions de la semaine sur Fréquence 2. Un truc de ouf, ouf. Au pire, quoi? On vous demande, on dit, qu'est-ce que vous n'aimez pas de les transports en commun? Commentaire du gars, c'était bizarre. Il dit, à l'arrière d'un taxi, le chauffeur entend et cadre bien. Mets dedans, bébé. Quoi? Le chauffeur entend. Le chauffeur, il entend à l'arrière de son taxi et cadre bien. Mets dedans, bébé. Très choqué, il se retourne avec colère. Il voit, c'est un coup. Ils sont en train de mettre chocolat dans les pains. Mais tu pensais à quoi? Vous pensez à quoi? Ben moi, je pensais peut-être à un téléphone, la partie de la batterie où on détache là. Obi, quoi? Obi, très bientôt la sortie officielle du single de Dossi Yao. Never ouais, give up. Ouais, never d'ailleurs. Yeah, give up. Yeah. En commentaire, le gars dit, avoir la forme de l'artiste, tu sais que le single sera lourd. Obi, quoi? Ah, non, point douté. Obi, Kylie Jenner. Yeah. C'est sac à main. Mon vieux, ça remplit une chambre. Attends, ils ont mis étagère du haut jusqu'en bas. Mm-hmm. Tout le tout de la pièce. Mm-hmm. Et ça, c'est ça qu'on remplit ça. C'est-à-dire, elle-même là, c'est une saquière. Faut pas t'amuser. C'est une saquière. Commentaire d'un gars, il dit, celles qui n'ont pas les moyens diront que si c'était moi, j'allais vendre ces sacs-là et donner l'argent aux démunis. Vraiment, la pauvreté fait trop parler le cœur. Obi. Quoi? Elle le fait peut-être déjà. Elle le fait déjà même bien. Non, mais sans les pauvres, là, c'est toujours les discours. Mais si c'était moi, j'allais donner l'argent aux pauvres. On dit les clients les plus polis au monde sont ceux qui viennent faire les retraits de 2000 francs. Les clients les plus polis. Déjà, ah ouais. Je ne suis pas pressé, non, faut t'occuper de, c'est pas grave. Moi, ouais, parce qu'ils ne veulent pas qu'on entende le montant. Le montant de 2000 francs. Obi, quoi? Reggae Forever. Des ennemis peuvent devenir ses meilleurs amis. La relation entre homme et homme est toujours injuste. Et il n'y a que tes amis qui savent ton secret. Seuls eux peuvent le révéler. Certains vont prétendre t'aimer alors que tu n'imagines pas ce qu'ils te préparent. C'est pour ça un grand homme politicien disait « Mes ennemis, je m'en occupe, mais je me méfie beaucoup plus de ceux qui se font passer pour mes amis. Car je ne sais quand je peux me faire taper. » Les matins d'Isaac. Allô? Oui. On dit quoi? On dit rien, à la moelle. Ibe Minle, t'es où? Ouais, à dit manga. Mini? Madame, j'ai attendu le numéro. Non, je me suis pas trompée, c'est de toi que je veux parler. Tu es où? Comment je suis où? Aïe. Donne ta position vite, on est pressé, on n'a pas le temps. C'est même vous l'avez dit. Aïe. Comment ça, je suis qui? Comment aïe? On est venu avec les sacs de bananes là, hein. Faut parler vite, on va déposer. Oh. C'est pas moi, c'est vous pas aimez moi. Trop ça, les femmes du marché là. Maman. Tu dis quoi? Passez par là, vous ne comprenez pas, ok. Mais je comprends pas. Il dit, banane, on a envoyé, on est au carrefour. Faut parler, on va venir déposer. Tu as quel problème? C'est ça, moi, je te dis qu'il ne faut pas banane. Que tu t'es trouvé le numéro. Bon, je dis. Je vais regarder le numéro. Attends, je te parler encore. Attends d'abord. Fréquence 2. Fréquence 2. Fréquence 2. Allô? Oh! Ça, c'est la meilleure. C'est ça, l'étude. C'est la meilleure. Jalako le King. Président Jaguar. Dans un Sawakua. Yeah. Un Sawakua. Que tu fais dans ma vie, oh, yeah, yeah, yeah. Je te bénis mon Seigneur.
jamais tu n'as cru en tout ce qu'il disait. Aujourd'hui, voilà ça, oh, voilà ça. C'est pas la transformation, tu files le petit génie qu'on a connu le plus joli papillon. Bonjour, qui est à l'appareil? Bonjour, monsieur. Qui est à l'appareil? C'est Ishaka. Ishaka, ça va? Oui, ça va bien. Tu es prêt? Oui. On y va pour ta question. Hein? Il faut que tu éteignes la radio. Tu as éteint? Oui, oui. Ok. Quel mot désigne l'élevage de dinde? Petit A, la dindiculture. Petit B, l'aviculture. Petit C, la diassoculture. Petit A. La... Ah non, mais vraiment, tu as perdu. Toi-même, tu as fait exprès. Ishaka, c'est pas la dindiculture, hein. Il n'y a pas de dindicultivateur, n'est-ce pas? Cultivateur, voilà, je ne sais même pas comment on appelle celui qui fait. En fait, c'est tout simplement l'aviculture, comme la réponse à la première question. Qu'est-ce qui désigne l'élevage des oiseaux? C'est tout simplement l'aviculture, tous oiseaux confondus. La grande récré. Mon rêve, ma passion. Après les cours secondaires, j'irai en fac de droit pour sortir avocate. Avocate pourquoi? Parce que des gens méritent d'être défendus et d'autres d'être enfermés. Nous devons apprendre à appliquer la loi pour mettre des gens et des biens à l'abri de beaucoup de choses. Je veux défendre surtout les enfants, car ces derniers temps, on constate trop d'enlèvements et de meurtres d'enfants. Ce n'est pas normal. Ces personnes doivent être punies. Et moi, je veillerai de sorte à ce que ces criminels passent le reste de leur vie en prison. Merci. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Edouard? Bon, en fait, il est tombé amoureux d'une fille, il est depuis 2009. Oui. Et on était ensemble, la relation marchait bien. Oui. Bon, je payais au moins la moitié de son scolarité. Mm-hmm. Bon, elle m'a dit que si je l'aime aussi, je vais le présenter à ses parents. Mm-hmm. Et on allait faire la présentation. Mm-hmm. Puis tout marchait bien. Mm-hmm. Donc, elle m'a dit que si on va attendre quand elle fait ses études, si on se marie. Mm-hmm. Moi aussi, je disais que c'est bien. Donc, je n'ai pas senti un plafond. Mm-hmm. Au coup de fil, j'étais allé au Burkina Faso en 2016. Mm-hmm. Et quand je suis parti là-bas, mm-hmm. à ce moment-là, j'avais laissé mon appareil avec une puce que je lui ai donnée. Quand j'étais au pays, je l'appelais, ça ne passait pas. Mm-hmm. Et la nuit, ma puce s'est posée, puis prendre portant avec un garçon d'autre. Mm-hmm. Et elle a changé complètement la carte. D'accord. Elle est tombée enceinte de ce type-là. Mm-hmm. Quand je suis revenu de Burkina Faso, mm-hmm. il a pris la nouvelle qu'elle est tombée enceinte, elle allait chez même que chez Seringa. Maintenant, aujourd'hui, je trouve que la personne qui l'a enceinte, il l'a rejeté. Oui. On dit qu'elle ne part pas à l'école. Elle se retrouve chez son papa. Maintenant, les gens me demandent que je me retrouve derrière elle. Mm-hmm. C'est vrai qu'elle m'a fait du mal. Mm-hmm. Mais peut-être que c'est la boule. Que je la marie. Oh, pourtant, moi, vraiment, ça me fait mal.
elle aussi, elle m'a choisi pour me dire que, bon, elle reconnaît qu'elle m'a fait du mal, que mais, je l'ai pardonné. Oh, pourtant, bon, vraiment, je ne peux pas supporter cela.